Bienvenue dans cette vidéo les amis, j'espère que vous allez bien, moi de mon côté ça va. Aujourd'hui, vous allez découvrir tous les enfants de Antoinette Sassou Nguesso, première dame de la République du Congo. Certains de ces enfants que vous connaissez sûrement, et d'autres pas. Pour cela, je vous prie de regarder cette vidéo jusqu'à la fin avant de commenter, et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, tout en cliquant sur la cloche de notification pour ne pas louper à mes prochaines vidéos. Let's go les amis. Mon engagement personnel se situe toujours pour les femmes dans la paix. Vous savez que les femmes sont celles qui souffrent le plus quand un pays est troublé. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a toujours eu un acharnement sur les femmes et qui fait que les femmes baissent les bras surtout. Alors que ce sont elles les moteurs, je peux dire, de nos économies en Afrique. C'est toujours elles qui élèvent leurs enfants, c'est toujours elles qui portent même le mari, quelquefois parce qu'ils font la plantation, quelquefois pendant que le mari est à la maison, surtout en zone rurale. Donc tout ça, il faut promouvoir la paix. Moi je crois que c'est mon combat le plus... qui me tient le plus à cœur pour que les femmes vraiment se libèrent de toutes ces tracasseries, de toutes cet immobilisme, parce qu'elles ne mentent pas, parce qu'il y a toujours un problème qui vient les mettre, parce qu'elles sont violées, elles sont maltraitées, c'est toujours elles sur lesquelles on s'acharne. Alors c'est mon combat le plus, vraiment le plus immédiat, le plus ardent. Antoinette Sassou Nguesso, de son vrai nom de naissance Antoinette Loemba Tshibota, est née le 7 mai 1943 à Brazzaville. Elle est l'épouse de Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo. Antoinette Sassou Nguesso est première dame depuis le 31 août 1997. Elle a déjà rempli cette fonction lors de la première période présidentielle de son époux, Denis Sassou Nguesso, entre le 5 février 1979 et le 31 août 1992. Blandine Malila, née en 1959, est la seule et l'unique fille de la première dame de la République du Congo, Antoinette Sassou Nguesso, issue d'une relation antérieure bien avant de rencontrer le président congolais, Denis Sassou Nguesso. Blandine Malila n'est pas la fille biologique du président Sassou Nguesso. La première dame, Antoinette Sassou Nguesso, et son époux, le président Denis Sassou Nguesso, n'ont pas eu d'enfants ensemble. La fille de la première dame de la République du Congo, Blandine Malila, occupe les fonctions de conseillère spéciale du cabinet de sa mère. Et pour rappel, Blandine Malila est la mère biologique de Vansi Goma Kany, l'ex-époux de Gabriel Lemaire, avec laquelle ils ont eu une fille. Gabriel Lemaire, qui quant à elle, devient l'actuelle compagne et mère du dernier enfant de l'ancien footballeur international ivoirien, Didier Drogba. Après la chute de son entreprise fondée en Côte d'Ivoire, Vansi Goma Kany retourne au Congo-Brazzaville, et est nommé au poste de conseiller spécial du Premier ministre, chef du gouvernement de la République du Congo, Anatole Coliné Makosso. Vansi Goma Kany est issu de la famille présidentielle congolaise, par sa grand-mère, Antoinette Sassou Nguesso, qui est l'épouse du chef de l'État congolais, Denis Sassou Nguesso. Et voilà les amis, la première dame de la République du Congo, Antoinette Sassou Nguesso, n'a qu'une fille, Blandine Malila. C'est tout pour cette vidéo. Laissez-moi vos avis en commentaire, je ne manquerai de vous répondre, et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, tout en cliquant sur la cloche de notification pour ne pas louper à mes prochaines vidéos. On est ensemble la MIF.